Vous êtes venu en famille ? Avec des amis, c'est Claudette qui a fait la sélection, puis donc elle nous a invités. Alors je vous remercie beaucoup. Ben oui, c'est un peu grâce à elle si vous êtes là. Ben écoutez Hélène, je ne peux que vous souhaiter bonne chance. J'espère que vous allez repartir avec en plus bon nombre de cadeaux. Et puis qui sait, une sélection pour la finale. On verra bien. Ce sera bien ça. Ça vous fait rêver un petit peu quand vous voyez des gagnants le dimanche repartir avec des vitrines somptueuses. Oui. Ma fille ce matin m'a dit comme ça, elle dit maman, elle dit si on a une voiture, elle dit où est-ce qu'on la mettra. Ah bon, parce que déjà vous vous posez la question de savoir où vous allez mettre. Oui, c'est votre fille, je sais bien. Alors, je ne crois pas avoir de voiture à vous proposer tout de suite. Peut-être que dans un avenir relativement proche, vous pourrez décrocher et repartir avec une voiture, puisque vous le savez, dans toutes les vitrines, il y a très souvent des voitures et de belles voitures. Mais je vous propose tout de suite de noter ce que vous allez pouvoir gagner. Regardez. Hélène, votre cadeau. Beaucoup, j'en ai pas. Très bien. Nous allons jouer au-dessus dessous. 6 articles. Parmi ces 6 articles, je vous demanderai quels sont les 3 plus chers et les 3 moins chers. Le descriptif, tout de suite, des articles. La foire pour. Ça, c'est bien. 25 francs. Quel est votre signe, Hélène ? Lion. Votre anniversaire dans peu de temps, alors au mois d'août ? Oui, exactement. Eh oui, le combien ? 17. Le 17 août ? Et le lendemain, c'est votre fête. Écoutez, vous allez être gâtés, alors. Peut-être pas vraiment au juste prix, parce que ça, je le sens assez mal parti. On enlève, bien sûr, les deux supérieurs aux 10 francs. C'est la quille, les quilles. Il aurait fallu peut-être prendre les quilles. Bon, on va vérifier tout de suite le prix du déodorant. Déjà, ça va mal. 12 francs. Ensuite, quille. Venez à côté de moi. Non, c'est pas grave. Bien sûr que alors, rien n'est grave au juste prix dans quelques instants. Peut-être la chance de tomber sur la case Auto Plus. Vous savez que c'est la case la plus importante qui vous assure une sélection. Ce serait une bonne chose. Vous seriez la deuxième sélectionnée de la semaine. Nous n'en sommes pas là. Je vous propose d'accueillir tout de suite un nouveau candidat. Gérard Coffin. Bonjour Gérard. Bonsoir. Ça va ? Ça va très bien. D'où venez-vous Gérard ? Longjumeau. Et que faites-vous ? Rien. C'est formidable, ça c'est extraordinaire, c'est assez rare, hein, mais de temps en temps, je ne fais rien. Donc, je pense que vous avez tous les loisirs nécessaires pour regarder le juste prix tous les jours. Très juste. Donc, vous êtes au courant absolument tous les jeux. De tout. Vous savez tout. Est-ce que lorsque vous jouez comme ça tranquillement chez vous, vous gagnez ? Non, en général non. Vous avez donc, Gérard, bien fait de venir. Voilà. Je vous propose de noter tout de suite le deuxième cadeau de sélection. Ensemble classique et indémodable, la gourmette américaine en plaqué laminé 18 carats, ciselé main et la jolie broche en feuille de houx. Alors Gérard, je m'adresse à vous. Essayez quand même d'estimer au plus près cet article. 2400 francs. Je vous écoute Véronique. Combien alors ? 2007. 2700 francs. Didier. 1510. 1510. Et Anne-Marie. 2750. 2750 francs. Le juste prix est de 3135 francs. C'est donc Anne-Marie. Comment ? Je suis très émue. Et pourquoi êtes-vous très émue ? Expliquez-moi pourquoi, il n'y a pas de quoi. Ça me fait drôle. Ça vous fait drôle ? Vous avez un petit message à adresser à des amis et des parents ? Oui, bonjour à maman, ma famille, tous mes amis. Voilà, parce que souvent on voit des gens comme ça derrière qui font... Alors là vous êtes à côté de moi, il faut en profiter. Hein ? Que faites-vous dans la vie ? Je travaille à la préfecture d'Angers. Vous êtes venu. Voilà, deux clés de gagner, deux cadeaux. C'est bien, dernier candidat tout de suite. Jean. Vous n'êtes pas enrhumé ? Pas pour le moment. Non. Avec l'été, généralement, c'est curieux, il y a beaucoup de gens qui sont un petit peu enrhumés comme ça. Ouais. Ah oui, c'est un vieux rhume des foins qui traîne. Bonne chance, Joël. Voici le dernier cadeau de sélection. Un tapis très actuel au gras. Joël. 1800. 1800 francs. Le juste prix de ce très beau tapis est de 2200 francs. C'est Didier.
Êtes-vous heureux d'être là, Didier ? Très heureux, oui. Bon, alors. De 10 000 francs, de 5 000 francs et de 50 000 francs. De 449 francs. Plus cher ou moins cher pour retrouver le juste prix ? Moins cher. Moins cher. Première prime, peut-être gagnée. Tout dépend si vous décidez de la conserver ou de l'abandonner. 1000 francs. Didier, venez à côté de moi, venez à côté de moi. Que faites-vous ? Je continue. Vous abandonnez les 1000 francs, hein ? C'est abandonné. C'est un jeu. Ah mais bien, vous faites exactement comme vous voulez. Donc on abandonne les 1000 francs et on regarde ce qui se cache derrière la deuxième case qui est là. Peut-être plus, mais peut-être moins. Ah. 500 francs. C'est moins bien, Didier. Hein. C'est moins bien que tout à l'heure. Approchez-vous de moi, Didier. On vous fera un petit chèque de 500 francs. Mais je suis sûr que vous allez rattraper tout cela avec la roue Auto Plus, juste après l'adresse du juste prix que voici. Si vous, vos amis, souhaitez assister à l'émission Le Juste Prix et des loisirs, nous n'avions que l'embarras du choix pour vous proposer des volets tous plus intéressants les uns que les autres tout au long de cette semaine. Vous avez vu, déjà lundi, très beau volet, une très belle chose à gagner. Et vous ne serez sûrement pas déçus avec le descriptif du deuxième volet. Voilà ce que pourra décrocher, entre autres, bien sûr, l'un des finalistes dimanche. Patrick, pour accéder au pays des loisirs, tel de notre vitrine, là-bas, au pays des loisirs. À demain. Voilà. Ça fait envie, hein? Qu'est-ce qui vous plaît le plus, la voiture, le voyage ? Les deux, hein. Les deux, bah oui, bien sûr. Ah, mais on a tout le lot, hein, bien entendu, quand on gagne. Bonne chance, Hélène. Allez-y, faites tourner la roue Auto Plus. Faites pas mal, hein, faites pas mal. 95, c'est bien. Anne-Marie, à vous. À vous, Didier. Hélène, c'est le score le plus fort. Je suis contente. Comment ? Je suis contente. Ben c'est bien. Formidable. Ah oui, bah oui, ça, hein, ça vous fait quoi ? Non, mais de toute manière, je suis comme vous. Hein, savez. Comment vous êtes, ça veut dire quoi ? Vous avez vu votre homme deux fois, moi c'est pareil. Vous trouvez que j'ai l'air enrhumé ? Non, pas du tout. Hein, ça va bien, je ne parle absolument pas du dé, vous l'avez remarqué, tout va très très bien, non, ça va bien. Alors, je suis très très heureux pour vous, ma chère Hélène, car... Il y a des gens qui parlent du nez comme ça, hein. Moi j'essaie, je fais des efforts, c'est vrai que ce rhume des fois traîne, c'est terrible. Hein. Oh là 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 là, vous avez ça vous aussi ? Exact. Comment vous faites pour soigner ça ? C'est... Vous avez une recette ? Pas tout à fait. Vous savez que j'ai vraiment très envie d'un Kleenex, là. Mais bon, on va aller jusqu'au bout, quand même. Ne vous inquiétez pas, pas un problème. Alors, le sac TF1 Polaroid. Pour vous. Non, pas pour vous, Hélène, mais pour Didier et pour Anne-Marie. Ce sac, vous pouvez le trouver, bien sûr, dans tous les magasins photo et cependant tout l'été avec l'appareil photo Polaroid Impulse, avec également dedans le stylo magique et... Une photo dégazée de Patrick Roy. Merci, Harold. Beaucoup. Anne-Marie, c'est pour vous. Didier, le sac est également pour vous. Merci beaucoup. Et alors, Hélène, regardez la photo prise par l'appareil photo Polaroid Impulse. Photo, s'il vous plaît. Ça va être beau. Oh. Merci, Sonia. Eh bien, mesdames, messieurs, nous avons été très, très heureux de passer ces instants en votre compagnie. J'espère que vous serez là demain, même heure, hein, 7 jours sur 7, le juste prix, avec la finale le dimanche, midi 30, 13h. Passez de très très bons moments, bronzez bien si vous êtes en vacances. Si vous travaillez, parce que c'est vrai qu'on pense aux gens qui sont en vacances, mais également pendant le mois de juillet, il y a des gens qui travaillent et qui rentrent chez eux pour assister au juste prix. On leur fait un petit coucou et on leur tenait bon. Ne vous inquiétez pas, les vacances, ce sera pour le mois d'août. Quand les autres vont rentrer, vous leur ferez un petit coucou. On vous embrasse demain. À demain, midi 30, tout va bien, je me mouche. À demain, au revoir. Thank you.